avec les, ça c'est les pigeons pour ce soir, donc les pigeons du Mont-Royal. On va faire les filets rôtis saignants. Donc cette partie-là qui va être rôtie saignante. La cuisse et les abords, on va les cuire, on va les confire et, faire, et les mettre dans un cigare de feuilles de brique. Mm-hmm. Servi avec une crème d'ail et un jus de pigeon. Bah, ok. Préparer ce genre de plat, ça vous prend combien de temps avant, voilà, avant le service Ah voilà, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps parce qu'on arrive, nous on arrive à 14-15 heures, le temps de tout préparer, le temps de... Ouais, il y a la crème d'ail qui se prépare ici, là on a les fonds de sauce, ça c'est fond de viande, et là-bas fond de combustible. Les assiettes changent une par une en fait, c'est pas un renouvellement d'un coup, c'est ça, il y a une sorte de rotation. Dès que je publie qu'un produit me saoule, je n'arrive pas à le retrouver, ou que ça se termine, ou voilà, toute chose. Donc là, on crée une nouvelle assiette qui va rentrer dans le menu. Ok. Et je peux peut-être vous demander sur la première étoile, du coup, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir une première étoile? Ouais, c'est quelque chose d'assez fou, ça, la consécration, un peu de sacrifice. Mon équipe et moi, on a beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup, voilà, c'est vraiment c'est une sorte de récompense à des efforts qu'on a pu faire tous ensemble. Donc maintenant l'objectif c'est de décrocher une deuxième étoile dans le futur, ça fait partie de... Réfléchir du coup, ouais, comme, une fois que l'objectif est atteint, il en faut un second, donc on va faire un stratégie étoile.